Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que normalement je devais faire pour les concours de l'heure, mais là je vais acheter un nouveau chien, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Vous le verrez par le titre. Donc voilà. Attendez parce que je viens de perdre. Enfin, j'avais mis mon stylo à 2 km de moi. Donc voilà. Donc c'est le jeu comme toujours Nintendo Dog plus 4 version Caniche Toy. Alors pour ceux qui se demanderaient, je ne continue pas la grossesse du chien là, parce que déjà je suis pas sûre que ça marche, et en plus j'ai pas forcément envie d'avoir un petit, donc je le ferai quand j'aurai envie d'avoir des petits. Là c'est pas du tout le cas, donc du coup j'ai repris Chaussette, je vais faire ses compétitions et pareil pour Snowy. Donc voilà, donc là on va aller dans Chenille. Donc on fait à sortir, shopping. Donc le chenil, donc c'est la sorte de petite maison verte avec Nintendog plus 4 qui est marqué dessus en marron. Donc voilà. Alors je mets jamais le son d'habitude. Donc alors là il me... Ah oui, il faut que je mette un animal à pension parce que j'ai déjà 3 animaux chez moi. Alors oui, donc du coup je disais, je mettais jamais le son avant. Enfin en tout cas je me souviens pas. Dites-moi si ça vous dérange ou pas que je mette le son. Donc, moi là je vais mettre, vu que j'avais déjà mis... Non, si, il faut que j'aille dans shopping et je vais aller dans pension. Donc vu que j'avais déjà mis chaussette, j'ai pas envie de la remettre. Hein. Je suis contente de la revoir à la maison, donc voilà. Donc du coup je vais faire déposer et je vais mettre Snowy parce que c'est là... Bah, parce que j'ai envie, voilà, parce que moi j'alterne quand je mets la pension. Donc voilà. Oui. Donc là, normalement, on peut aller chercher un nouveau chiot. J'avais trop d'animaux chez moi. Donc voilà, je suis au chenil. Alors excusez-moi pour la canne, je suis pas trop douée. Et là, je vais venir prendre un petit carin. Alors au fur et à mesure, alors je vais baisser un peu le son. Voilà. Donc au fur et à mesure, en fait, vous avez des nouvelles races. Donc c'est pas du lendemain comme ça. Hein. Ça arrive au fur et à mesure que vous jouez. Donc moi là, j'ai eu nouvelles races et j'aimais bien les carlins. Bon, j'ai depuis un petit moment les carlins, mais j'en voulais un. Donc voilà. Alors moi, je veux que un carlin argenté comme ça. Donc des fois, ils ont des petites taches au-dessus de leur tête et moi, j'aime pas. J'aime bien quand ils sont comme ça. Donc moi, j'aimerais un petit mâle. Là, nous avons une femelle. Moi, j'aimerais un petit mâle avec un caractère assez potable, j'ai envie de dire. Voilà, donc ils ont des petits détails sur les oreilles. Des oreilles un peu noires, mais pas super intenses. Un mâle facile à vivre qui aime s'amuser avec ses jouets. Bah, je pense qu'on va partir sur ce petit mâle. Alors, en premier, bah, je vais vous présenter un petit peu. Donc, c'est tout blanc, en fait, c'est blanc ou gris. Argent, quand ils disent ça, argent c'est blanc ou gris, avec une truffe noire. Et des fois ils ont des taches là, comme ça au-dessus. Ils ont des petits détails aux oreilles. Donc achetez ce chiot. Oui. Vous voulez-vous adopter ce chiot? Voilà. Merci. Voilà, parce qu'il nous dit amusez-vous bien avec ce chiot. Donc avant, je vais vous montrer. Alors il faut qu'il. Qui s'habitue à son nouvel environnement et tout. Alors je vais vous montrer du coup spécialement la race, mince, la race carlin. Alors moi pour l'instant je sais pas du tout comment je vais appeler mon carlin. Hein. Voilà, Nania. Donc ça, cette règle me saoule à chaque fois. Alors les carlins, quand vous en avez, donc vous cliquez sur carlin, vous avez en argent, en noir. Donc les noirs c'est les noirs, les gris, les marrons. Voilà, donc là, les noirs de plus ou moins intenses. Donc voilà. Donc moi, c'est ceux que j'aime le moins. Je trouve qu'ils sont super foncés, donc on va en carrérisser un pour que vous voyez. Sinon, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est un petit marron. Voilà. Hop. Et vous avez des fauves. Ah merde, j'ai cliqué sur surprise. Voilà, fauve. J'ai cliqué sur fauve. Donc là, vous avez des crèmes, des oranges. Voilà, par exemple celui-là est un peu plus foncé que les autres. Donc moi ça c'est ceux que je tolère. Mais franchement, je préfère vraiment les carlins blancs, en fait.
On va recliquer sur fauve pour voir s'il y a d'autres couleurs foncées pour que je puisse vous montrer. Bon, écoutez, on reste sur le crème. Donc j'ai cliqué sur surprise pour vous montrer en fait c'est quoi les surprises. Donc là en fait c'est des trucs spéciaux un petit peu croisés. Donc là il n'y a que ça comme style de surprise. Donc voilà, je vais en caresser un pour vous montrer. Donc, on a des petits détails comme ça sur le ventre, sur la petite tête. Voilà. Très joli celui-là, j'aime bien, il est original. Bon, me revoilà à la maison pour m'occuper quand même de mon chien. Alors normalement je vous ai fait une vidéo spécialisée. Comment s'occuper vos chiens comme ça. Donc moi je vais regarder s'il a faim ou non. Petit creux assoiffé. Oula. Et donc je vais lui donner un à manger et